Le 16 août 1870, un jeune homme de 28 ans, motivé par un élan patriotique et la volonté de défendre son pays, s'engage dans un régiment de Zouaves, un corps d'armée durement exposé sur le front pour combattre les envahisseurs prussiens. Quelques mois plus tard, à la bataille de Bonne-la-Rolande, le 28 novembre, ce jeune homme accomplit un acte héroïque en tentant de protéger des femmes et des enfants. Touché au bras et au ventre, il ne survit pas et accomplit le sacrifice ultime. Il était peintre. Tous ces tableaux ont été immédiatement rapatriés dans sa ville natale de Montpellier et restèrent dans le strict cadre familial pendant près de 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce onzième numéro de la Critique dans lequel je vais poursuivre la logique des revues d'exposition passées depuis longtemps, les expos rétro, initiés dans l'épisode précédent, que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas déjà fait, car il s'avérera de surcroît très utile à la compréhension de la présente vidéo. En effet, celle que nous allons traiter aujourd'hui s'est tenue au musée d'Orsay du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017, soit à peu près au même moment que Spectaculaire Second Empire. Toutes deux entretenaient une étroite relation et leur concordance y était pour beaucoup dans mon enthousiasme à les parcourir. Vous savez ce que je pense de la première, mais le souvenir de la seconde est-il aussi intact Sans plus attendre, je vous invite à découvrir ou à vous remémorer ce qu'était l'exposition Frédéric Bazille, la genèse de l'impressionnisme. Frédéric Basille. Voici un nom qui doit certainement être tout à fait neuf pour la plupart d'entre vous et c'est bien normal. Il est le jeune homme qui s'est engagé dans le régiment de Zouave durant la guerre franco-prussienne et qui est mort si jeune. Par conséquent, l'exposition commençait assez logiquement par nous le présenter grâce à ce magnifique autoportrait que l'artiste réalisa en 1865. C'était un jeune homme d'une assez belle allure, apparemment très bien éduqué, et à en juger par la qualité de sa toile aux gestes déjà assurés. Une citation inscrite sur le mur, tirée de la correspondance abondante qu'il a laissée à sa famille, nous indiquait que l'exposition se faisait un devoir de le présenter à sa juste valeur et le plus sérieusement possible. Il s'agissait après tout de la première rétrospective consacrée au peintre. Il était temps Cet avant-propos avait lieu dans un couloir assez étroit au point que je me surprends encore à me faire cette remarque. Quelle chance de ne pas avoir été bloqué, puisque vous vous en doutez, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Mais ce que je vais reprocher le plus est cette ambiance très sombre, qui, alliée à l'affluence, ne pouvait que nuire à l'appréciation des œuvres et à leur accessibilité. Agrémentez le tout de quelques meubles dans le passage et de pièces couloirs. Vous obtiendrez un déplaisir inégalé servi par une disposition des œuvres mal conçues ou mal adaptées à cet espace trop contraignant qu'est le dernier étage du musée d'Orsay. A l'inverse, la sixième salle, elle, était très claire, très aérée, les œuvres espacées, et c'est vraiment à ce moment que j'ai personnellement apprécié ma visite, avant de retomber dans l'obscurité immédiatement après. L'emploi de couleurs sourdes sur les murs est la principale cause, car si elles n'ont pas impacté l'éclairage des œuvres à proprement parler même si certaines étaient pourvues de vitres, elles ont en revanche beaucoup affecté l'atmosphère des lieux et le sentiment que l'espace a pu inspirer aux visiteurs. C'était une sorte de pénombre dans laquelle il n'était jamais agréable de se mouvoir, surtout si l'on prend en compte la très grande fréquentation de l'événement. Nous pouvons nous remémorer le traitement des pièces de l'exposition spectaculaire Second Empire, qui même si elles usaient des mêmes teintes, les contrebalançaient par un habillage, des petites fantaisies dans les emmarchements au sol ou pour les socles. En bref, des agréments qui faisaient défaut à la jeunesse de l'impressionnisme, qui paraissait de fait bien fade en comparaison. Tout est dit sur la forme franchement ratée, comme quoi j'ai sans l'ombre d'un doute idéalisé ma visite à cause de l'exposition précédente. Mais ne désespérons pas, il reste le propos. Reprenons à l'entrée, voulez vous? Basil est un artiste originaire de Montpellier. Il vient plus précisément d'une famille bourgeoise qui occupe une place importante dans la ville. Son père est par exemple adjoint au maire, président de la société d'agriculture et surtout figure importante de la viticulture. Il destine son fils à la médecine, ce qui n'empêche pas ce dernier à découvrir le dessin, à jouir des collections déjà réputées du musée Fabre, où il copie le mariage mystique de Sainte-Catherine d'après Veronese et de celle d'Alfred Bruyat qui rassemble les œuvres plus récentes de son ami Gustave Courbet et de Jeanne de la Delacroix. Parti à Paris en 1862 pour suivre ses études, il est encouragé par son cousin, Eugène Castelnau, et s'inscrit dans l'atelier du peintre Charles Glaire, au sein duquel il fait la rencontre de ses amis Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley. Sous l'enseignement de ce maître, il réalise bien sûr des académies d'après-modèle et des études de nu, mais il s'intéresse moins au dessin qu'à l'aspect final et général de ses futurs tableaux. En cela, il s'éloigne déjà du fonctionnement académique. Une distance définitivement consommée en 1863 à l'occasion du Salon des Refusés où Basile et ses amis découvrent l'œuvre de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. L'année suivante, il réussit à se défaire totalement de la médecine afin de se consacrer pleinement à la vie artistique, tout en quittant l'atelier de Glaire pour aller peindre en 1865, accompagné de Monet et de Renoir, dans un irrespect complètement affiché pour les méthodes conventionnelles de l'enseignement. Les gredins. De fait, il fait partie des tout premiers peintres du mouvement impressionniste, puisqu'il participe aux premières aventures en plein air. Leur volonté n'est pas sans précédent, puisqu'ils se rendent en forêt de Fontainebleau, un site déjà exploité par les membres de l'école de Barbizon. Mais ils s'en détachent car les innovations techniques, notamment du tube de couleur, permettent à leur époque de peindre directement sur le motif. Ils deviennent ainsi les premiers témoins français directs de la nature et du spectacle de la lumière, car ils ont, contrairement à celles et ceux qui les ont précédés, la capacité de retranscrire leur perception sans délai sur la toile. Cette méthode de travail n'est pas sans risque puisque Monet en fait les frais. Néanmoins, ceci leur permet de véritablement se démarquer des créations d'ateliers. Même s'ils peuvent les retravailler à l'intérieur, leurs toiles restent généralement plus éclatantes, les couleurs plus vives, et la plupart des scènes qu'ils dépeignent se situent à l'extérieur, comme nous pouvons le voir à cet hommage que Monet rend à l'œuvre de Manet. Ceci nous permet d'aborder une facette importante de l'œuvre des impressionnistes les portraits de leurs collègues et leurs sujets très similaires. En effet, Basile est représenté par Monet dans ce second déjeuner sur l'herbe. Monet est à son tour représenté par Basile dans l'ambulance improvisée, et Renoir représente Basile en train de peindre sa nature morte au héron, tandis que dans la même pièce, Sisley s'attelle au sujet également. Il y a des interconnexions constantes entre les artistes impressionnistes, puisque ces derniers étaient amis et travaillaient côte à côte. Basile faisait partie intégrante de ce système, en place bien avant les études à la grenouillère de Renoir et de Monet. C'est vraiment la présence d'un aussi grand nombre d'autres artistes à cette rétrospective, et surtout celle de ses amis, qui a permis de se faire une idée de l'implication de Basile au sein du groupe, mieux qui a permis de le présenter le plus simplement au public. En outre, l'histoire de Basile était assez minutieusement retracée et l'ensemble du corpus, s'il n'était pas complet, habilement exploité. Il y avait de la peinture animalière, qu'elle soit liée au milieu de la chasse avec le héron ou à la nature morte comme avec les poissons qu'il présente au salon de 1866. Pour rester dans la nature morte, des compositions florales, ce genre extrêmement apprécié par les milieux mondains, dans lequel certaines de ses fréquentations du café Garbois excellaient. Basile s'est également plu à représenter les lieux successifs où il a travaillé, les habitats de son état d'artiste, qu'il ne cessait de réclamer à ses parents. Le dernier qu'il occupa, rue de la Condamine, nous introduisait le reste des tableaux qui étaient présentés. On y trouve en préparation La toilette, finalement achevée en 1870, ou encore Le pêcheur à l'épervier. Dans ce dernier, on s'aperçoit à quel point Basile a voulu donner un sens véritablement nouveau à l'art. J'espère bien, si je fais jamais quelque chose, avoir au moins le mérite de ne copier personne, confie-t-il dans une de ses lettres. C'est en quête de cette originalité qu'il se réapproprie par exemple totalement le nu masculin, nettement moins abordé par les artistes que son homologue féminin, et qui pourtant se voit traité lui aussi par d'autres membres du groupe impressionniste. Qu'importe si certains historiens veulent y trouver une certaine pulsion homosexuelle refoulée, ce qui compte vraiment, l'aide à se différencier et donne à ses œuvres cette puissance virile, c'est le fait que Basile délaisse assez rapidement les paysages gris de Normandie et du nord de la France, déjà surexploités par ses camarades. Il se tourne pour cela vers sa région natale et rejoint régulièrement le milieu familial où la lumière et la chaleur apportent à sa palette une clarté qu'il n'aurait jamais atteint dans le bassin parisien. Nous voyons par exemple aux trois toiles qu'il réalise à Aigues cette progression partant de teintes assez froides vers des couleurs plus douces et pourtant si onctueuses qui font ressortir l'intensité du jour et amènent le spectateur à se faire une idée de cette atmosphère baignée de soleil. C'est pour cette raison que les salles que j'ai le plus appréciées étaient si plaisantes. Elles étaient en adéquation avec le message porté par l'expérience de Basile dans le sud de la France. Elles reflétaient cette quête du soleil qui, plus tard, sera si chère à Van Rohr et à Cézanne. Basile est le chaînon manquant pour pouvoir comprendre pleinement ces deux peintres et tout le mouvement impressionniste. Pour le spectateur, le fait d'explorer la vie de Basile par le biais d'autant d'œuvres ne pouvait que lui procurer le sentiment d'être constamment accompagné et guidé, pas à pas. Et pour éviter de le perdre dans un océan d'explications, les œuvres de Basile, comme nous l'avons déjà dit, étaient constamment mises en relation avec celles d'autres peintres. Il y avait donc une intelligence du propos, servie par une économie efficace, ainsi qu'une réelle volonté de vouloir extirper ce peintre de l'oubli et de le hisser aux côtés de ses amis à la vie et à la carrière autrement plus longue. L'exposition a su nous faire ressentir ce qu'était la jeunesse de l'impressionnisme, dans toute son ardeur et son ambition, notamment dans la dernière salle qui nous présentait route et Boss, une œuvre religieuse qui opérait des rapprochements très forts avec l'œuvre d'Alexandre Cabanel, mais qui est restée inachevée, puisqu'il s'engage à ce moment dans la guerre franco-prussienne. La dernière salle, d'ailleurs, présentait de façon émouvante la tenue militaire qu'il portait à Beaune-la-Rolande aux côtés de son acte d'engagement volontaire. La mémoire de Frédéric Bazille ne peut pas être honorée par notre vision biaisée, celle d'un peintre occasionnel aux moyens aisés dont la fonction ne consistait qu'à être le soutien financier de ses compagnons de route, car il a participé activement à l'élaboration de cette nouvelle peinture. La mémoire de Frédéric Bazille se résume encore moins à l'élégance et à l'amabilité que ses camarades lui reconnaissaient et ont salué au lendemain de sa disparition. C'est un maître de ce mouvement alors tout juste naissant qui était l'impressionnisme. Aujourd'hui, nous ne connaissons que trop bien les pièces qui ont fait la renommée de ce groupe, sans pour autant connaître son travail, alors qu'il était un artiste tout aussi talentueux que Monet et Renoir le sont devenus, l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre réalisés au cours d'une carrière tristement brève mais intense. Un seul d'entre eux pourtant restera éternellement figé dans ma mémoire. D'avantage que la scène d'été ou ce que suggérait la muséographie avec la réunion de famille, Berthe Morisot et de mon maître et Zacharias Truc me sont témoins, la vue de village est de loin sa plus grande réussite. Le commentaire de cette expo rétro est arrivé à son terme. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, le commentaire. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'atelier. Portez-vous bien et à bientôt Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive. Elle mène mes troupeaux au pays des...